Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à lire un tableau de données. Ici, on a un grand tableau qui rassemble les scores de 4 joueurs à un match de basketball. Ici, on a Louis, Nadia, Benjamin et Alice qui ont participé à un match et on a les points qu'ils ont marqués pour le premier quart de temps, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on a aussi le total des points qu'ils ont marqués pendant le match. Donc, les nombres qui sont dans cette colonne-là doivent correspondre à la somme des nombres qui sont dans ces colonnes-là. Par exemple, si on prend le cas de Louis. 23 ici, c'est le nombre total de points qu'il a marqué pendant le match. Donc, normalement, si j'additionne le nombre de points qu'il a marqué pendant le quart 1, le quart 2, le quart 3 et le quart 4, je devrais trouver 23. On va vérifier. 4 plus 10, ça fait combien? Oui, ça fait 14. Plus 6, ça fait 20, c'est bien ça. Plus 3, je trouve bien 23 ici. Et on va devoir répondre à ces 4 questions-là. Donc on va commencer par la première. Combien de points marque Louis pendant le deuxième quart? Pour répondre à cette question, il faut que j'aille sur la ligne qui correspond à Louis, la première ligne ici, et que je regarde la colonne qui correspond au deuxième quart, cette colonne-là. Et je trouve que Louis a marqué 10 points pendant le deuxième quart. Donc, la réponse, c'est 10. Maintenant, pour Alice. Combien de points marque Alice au total? Il faut que je trouve la ligne qui correspond à Alice, c'est celle-ci, la dernière ligne, et que je regarde dans la colonne totale. Et dans la colonne totale, je trouve qu'Alice a marqué 29 points. Elle a marqué 29 points au total. La troisième question. Combien de points marque Benjamin pendant le dernier quart? Donc, on va changer de couleur. Benjamin, sa ligne, c'est celle-ci. Et on veut savoir combien de points il a marqué pendant le dernier quart. Le dernier quart, c'est le quatrième. Donc, il faut prendre la colonne du quart 4. Et je trouve que Benjamin a marqué 9 points pendant le dernier quart. Maintenant, combien de points marque Nadia pendant le premier quart? Donc, on va prendre la ligne qui correspond à Nadia. C'est celle-ci. Et on va prendre la colonne qui correspond au premier quart. C'est celle-ci. Nadia a marqué 7 points pendant le premier quart.